pas faire comme les autres, quoi. Je joue pas le manque. Puis là, c'est vraiment, un, comme on dit, un jam. C'est pas une confiture, c'est proche. Puis, mais c'est ça, on fait les fous, on joue, on crée la musique. Il y a beaucoup d'amis là. Il y a pas mal beaucoup de musiciens qu'on se partage l'amour de la musique. Puis on se respecte et on a vraiment ben du fun. On partage un couple de bière et tout ça. Je joue du luth arabe. J'ai appris en Tunisie, mais là, c'est quelque chose qui m'est vraiment cher. Que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette musique-là, ce qui est une partie de moi. On dirait que je l'aime, j'aime autant plus. J'aime plus la jouer ici que la jouer en Tunisie. J'aime beaucoup la jouer. Le groupe Sowat, c'est mon groupe qu'on est ensemble depuis 1995. C'est un groupe de jazz, un groupe jazz quartet maintenant. On était trois personnes, puis là, il y avait une couple de changements de musiciens. Puis, non, c'était vraiment une expérience, c'est tout le temps une expérience amusante. Là, on vient de sortir un CD, puis on s'amuse, puis il y a du monde qui aime ça, alors on enjoy ça. C'est vraiment, on jam, on joue pour le fun. C'est vraiment le fun groupe. C'est tous des amis aussi. Beaucoup de souper. Moi, je joue du jazz, mais c'est sûr que j'ai des influences arabes qui rentrent dans le jazz ou du rock ou de la musique acadienne. Même si je joue de la musique acadienne, j'ai du Tunisien dedans.